Salut à tous, bienvenue sur lesensdeslettres.com, votre plateforme de Scrabble duplicate. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 10 juin, la vidéo commence sa diffusion à 10h ce matin, et ensuite ça sera disponible évidemment en replay. Ce matin, nous allons jouer une partie, alors attention, ça risque de dépoter. Parce que c'est une partie originale 7 sur 8 joker, c'est-à-dire qu'à chaque coup, on va tirer 7 lettres plus un joker, donc un tirage de 8 lettres, 8 jetons, parmi lesquels vous ne pourrez jouer que 7. Vous ne pourrez n'en jouer que 7 au maximum. Et le joker est remplacé par la vraie lettre, comme dans une partie de joker. Si le premier coup, le joker remplace un V, par exemple, eh bien on va chercher un vrai V dans le reliquat et on le met sur la grille de façon à conserver le joker dans le tirage. Voilà, alors c'est une formule originale difficile parce qu'il y a deux éléments de difficulté. Il y a le joker à chaque coup et les 8 lettres au lieu de 7, qui augmente le nombre de possibilités de combinaisons, etc. Enfin, c'est assez costaud. Donc, vous inquiétez pas si vous avez du mal. Vocabulaire expert, comme d'habitude, c'est pas que ce soit un vocabulaire compliqué en particulier, mais c'est le hasard qui décide si les mots qui sortent ne sont pas sélectionnés. Donc, voilà, il peut y avoir des mots difficiles, des mots simples, etc. Et voilà, je crois que c'est tout. Alors oui, à l'issue de la partie, un petit décodage, comme d'habitude pour toutes les parties club. Et puis, contrairement à ce qui va peut-être être affiché après, je ne sais plus, mais il n'y a pas de classement cette semaine. Il n'y aura pas de formulaire pour que vous envoyiez vos résultats. Parce que je suis en train de mettre en place un nouveau système et ce n'est pas encore opérationnel. Donc, si vous voulez le faire, vous faites dans le chat ou les commentaires à la fin de la partie, il n'y a pas de souci, bien évidemment. Mais il n'y aura pas de classement comme il y avait précédemment pour ce qui concerne cette semaine en particulier. Voilà, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Donc on va démarrer. Donc une partie 7 sur 8 Joker. Je vais vous annoncer le joker et cette lettre, et puis vous allez commencer à chercher. Allez, le premier tirage arrive. Vous avez donc votre premier joker. Et vous prenez Suisse S. Uruguay, U. Suisse, S, deuxième. Grèce, G. Italie, I. Maroc, M. Et Égypte, E. Vous jouez avec Joker, Suisse deux fois, Uruguay, Grèce, Italie, Maroc et Égypte. Vous avez 3 minutes.
Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Un maximum à 74 points. Nous n'allons même pas utiliser le joker puisque les 7 lettres hors joker forment un mot. Attention à la place, nous allons jouer en H4. Mugis. M-U-G-I. Le premier S sur la case centrale. S-E. Mugis. H4. 72 points. Il y a un doute, j'ai peut-être dit 74, mais c'est 72. Alors, après ce scrap, vous avez toujours le premier joker. Voici Égypte E. Une fois. Deux fois, trois fois. Uruguay, U. Québec, Q. Québec. Portugal, P. Uruguay, U. C'est le deuxième. Vous jouez avec joker, Égypte trois fois, Uruguay deux fois, Québec et Portugal. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Voilà, le coup est terminé. Le top de ce coup est de 116 points. Verticalement en 8A pour terminer sur le premier S de Mugis. Et vous ferez extrêmement attention à la lettre remplacée par le Joker. Nous jouons en prenant un N de Norvège pour remplacer le Joker. Énuqué E, un N qui remplace le Joker, donc c'est un N de Norvège, ce n'est pas une autre lettre. U, Q, U, E, 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 de Mugis. 8A, ça fait 116 points. Il vous reste Portugal et le premier Joker. On ajoute Venezuela, V, Tunisie, Égypte, E, Canada, C, Océanie, O, et Zambie, Z. Vous jouez avec Portugal, Joker, Venezuela, Tunisie, Égypte, Canada, Océanie et Zambie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Le top sur ce coup, 130 points.
ferai très attention à la place. Nous allons jouer horizontalement en appui sur le deuxième U de Énuquet en E5. Le joker est un L de Luxembourg. Octuplé. O, C, T, le deuxième U de Énuquet, P, L qui remplace le joker, E et Z. Octuplé, c'est horizontalement en E5 et ça rapporte 130 points. Il vous reste Venezuela et votre premier joker. On ajoute. Alors non, en fait, pardon, excusez-moi. On rejette. Vous rejetez le V. Vous rejetez le V de Venezuela. Et donc vous avez votre premier joker toujours. Et vous prenez Tunisie T. Canada. C, Grèce G, Uruguay U, Italie I, Océanie O, Uruguay U, c'est le deuxième. Vous jouez avec Joker, Tunisie, Canada, Grèce, Uruguay deux fois, Italie et Océanie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Un maximum à 83 points pour lequel le Joker sera remplacé par un N de Norvège. Horizontalement en A1, on appuie sur le premier E, pour terminer carrément, sur le premier E de Enuke, nous posons contigu. C, O, un N qui remplace le Joker. T, I, G, U. E, le premier E de Enuke, contigu à 1, ça fait 83 points. Il vous reste une lettre Uruguay. Vous ajoutez Joker. Non, pardon. Alors, il vous reste une lettre Uruguay et votre premier Joker. Là, on est en partie Joker. Petit trou de mémoire de ma part, désolé. Donc vous avez Uruguay et votre premier joker. Vous ajoutez Égypte E. Italie I. Wallonie W. Suisse S. Italie I, c'est le deuxième. Et France F. Vous jouez avec Uruguay, Joker, Égypte, Italie deux fois, Wallonie, Suisse et France. Chrono. Thank you.
Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Un maximum à 78 points. Nous allons perdre le premier joker puisque il remplace un Z de zombie et que le Z est déjà sur la grille. Donc verticalement en 11H, en mettant un S au bout de Mugis, nous descendons Suifié. S-U-I-F-I-E et le joker qui est un Z de zombie et qui reste sur la grille en tant que joker qui remplace un Z. Suifié, 11H, ça fait 78 points. Il vous reste Wallonie et du coup vous prenez votre deuxième joker. Mais en réalité, la prochaine fois je regarderai mieux ma feuille. En fait, on va rejeter le W. Voilà, c'est un rejet, il n'y a plus de W. Vous avez juste votre deuxième joker et vous ajoutez Algérie A. Maroc M. Uruguay U, Égypte E deux fois, Luxembourg L, Océanie O. Vous jouez avec Joker, Algérie, Maroc, Uruguay, Égypte deux fois, Luxembourg et Océanie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Un maximum à 86 points. Le joker sera remplacé par un T de Tunisie verticalement en 1A. En partant du C de contigu, nous jouons colmaté. C-O-L-M-A. Le joker est remplacé par un vrai T. Du coup, vous récupérez le joker. Et E. Colmaté, 1A, 86 points. Il vous reste Uruguay et votre deuxième joker. Ajoutez Algérie, A. Danemark, D. Égypte, E. Hongrie, H. Algérie, A. C'est le deuxième. Et Kenya, K. Kenya. Vous jouez avec Uruguay, joker, Algérie deux fois, Danemark, Égypte, Hongrie et Kenya. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Voilà, le coup est terminé. Le top de ce coup, 92. Pardon. 92 points. Horizontalement en L5, en appui sur le deuxième I. Attention à la place, c'est sur le deuxième I de Suiffier. Et en utilisant le joker, en le remplaçant par un L de Luxembourg, l'Adaki. L, A, D, A, K, H, I, E. L'Adaki, alors attention, c'est bien sur le, en L5, sur le deuxième I de Suiffier. Ça fait 92 points. Il vous reste Uruguay et votre premier, votre deuxième joker, pardon. Vous ajoutez Xénophon X, Yougoslavie Y, Norvège N, Égypte E, Roumanie R, Tunisie T. Jouez avec Uruguay, Joker, Xénophon, Yougoslavie, Norvège, Égypte, Roumanie et Tunisie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Sans
Deux points. Le joker est remplacé par un B de Belgique en C7 horizontalement sur le U de Hennuquet. Nous posons Butyreux. B qui remplace le joker. U de Hennuquet. T. Y. R. E. U. X. Butyreux. C7. 102 points. Il vous reste Norvège et le deuxième joker. Voici pour compléter 6 lettres. Danemark, D. Italie, I. Égypte, E. Roumanie, R. Suisse, S. Roumanie, R. C'est le deuxième. Vous jouez avec Norvège, joker, Danemark, Italie, Égypte, Roumanie deux fois et Suisse. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Le top de ce coup s'élève à 82 points. Vous ferez attention à la solution retenue
qui requiert un V de Venezuela pour remplacer le Joker. Verticalement en 13F pour mettre un S au bout de l'Adaki, nous posons Verdun. Le Joker est remplacé par un vrai V puisqu'il en reste. E, R, D, I, N et le S qui vient au bout de l'Adaki. Verdun, 13F, 82 points. Il vous reste Roumanie Joker. On ajoute Océanie O. Tunisie T. Égypte E. Deux fois. Roumanie R. C'est le deuxième. Et Italie. Jouer avec Roumanie deux fois, Joker, Océanie, Tunisie, Égypte deux fois et Italie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Soixante et onze points. Horizontalement en M1. En remplaçant le Joker par un S de Suisse, nous posons Érotise. E-R-O-T-I-S-E.
Le S qui remplace le Joker et E. Verticalement, cela forme Li, As et De avec les trois premières lettres de l'Adaki. Érotise, M1. 71 points. Il vous reste Roumanie et le deuxième joker. Ajoutez Portugal, P. Égypte, E. Norvège, N. Égypte, E, c'est le deuxième. Hongrie, H. Océanie, O. Vous jouez avec Roumanie, Joker, Portugal, Égypte deux fois, Norvège, Hongrie et Océanie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Soixante-neuf points. Horizontalement en J6, en double appui sur le I de Suifier et celui de Verdun. Le joker est remplacé par un D de Danemark. Néfridie. N-E-P-H-R-I-D-I-E. Ça peut vous rassurer, je ne connais pas ce mot. Néfridie,
J6, ça fait 69 points. Définition, sous top, tout ça, ce sera dans le décodage, hein, tout à l'heure. Il vous reste Océanie et votre deuxième joker. On ajoute Algérie A. France F. Algérie A, deuxième. Tunisie T. Roumanie R. Et Wallonie W. Vous jouez avec Océanie, Joker, Algérie deux fois, France, Tunisie, Roumanie, Wallonie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Maximum sur ce coup à 104 points. Le joker est remplacé par un S de Suisse pour venir au bout de Nefridi verticalement en 15D. Farota. F-A-R-O-T-A. Le S qui remplace le joker venant au bout de Nefridi donc. Pour le mettre au pluriel, Farota, 15D, 104 points.
deux lettres au reliquat Wallonie et puis votre deuxième joker que vous avez récupéré. On ajoute Algérie A, Océanie O, Venezuela V, Algérie A, c'est le deuxième, Luxembourg L et Maroc M. Vous jouez avec Wallonie, Joker, Algérie deux fois, Océanie, Venezuela, Luxembourg et Maroc. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. points. Nous allons laisser le deuxième joker sur la grille. Il va remplacer un E d'Égypte verticalement en 1K sur le premier E de Hérotise. Nous jouons Awele. A, W, E de Hérotise, L et le joker qui remplace un E d'Égypte et qui à ce titre reste sur la grille. On poursuit donc la partie comme une 7 et 8 normale, si j'ose dire, sans joker. Donc il vous reste 4 lettres, Algérie, Maroc, Océanie, Venezuela. On ajoute Norvège N, Jordanie J, Italie I et Belgique B. Vous jouez avec Algérie, Maroc, Océanie, Venezuela, Norvège, Jordanie, Italie et Belgique. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Un maximum à 43 points verticalement en 7G sur le I de Mugis. En double appui avec le E de Nefridi. Jive. J-I-V-E. Le J est en pivot pour former je avec le troisième E de Enuke. Jive, 7G, ça fait 43 points. Un reliquat de 6 lettres, Algérie, Belgique, Italie, Maroc, Norvège, Océanie. Ajouter Norvège N, c'est le deuxième. Luxembourg L. Vous jouez avec Algérie, Belgique, Italie, Maroc, Norvège deux fois, Océanie et Luxembourg. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Le top de ce coup s'élève à 35 points, horizontalement en N1, en partant du L de Awele et en collant
sous les lettres de Érotise et de la Daki, Limona. L-I-M-O-N-A. Avec les lettres en place, verticalement, cela forme RI, OM, TO, LIN et ASA. Limona, N1. 35 points. Il vous reste 3 lettres, Belgique, Luxembourg, Norvège. Vous avez certainement commencé à prendre les 4 dernières. Algérie, A, 2 fois. Roumanie, R. Italie, I. Vous jouez avec Belgique, Luxembourg, Norvège, Algérie, 2 fois. Roumanie, Italie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Pas plus de 21 points horizontalement en M9. En appui sur le E de Suifié, nous jouons AIE. A-I-E. Verticalement avec les lettres de l'Adakis, la forme K, K-A et I-H-I. AIE, M9. 21 points. Il vous reste 5 lettres, Algérie, Belgique, Luxembourg, Norvège et Roumanie. Eh bien, vous cherchez encore pendant 3 minutes parce que ce tirage est valide. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Top pour ce dernier coup à 18 points, verticalement en 9J, en triple appui. Vous posez à Karl H de Néphridi, à K de Ladaki, le A de Aï et R, L. À Karl, 9J, 18 points. Voilà, c'était le dernier coup de cette partie 7 sur 8 Joker. Le top cumulé est de 1271 points pour 17 coups. Voilà, donc comme je vous le dis, pardon. Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de classement en ce moment. Donc si vous voulez envoyer votre score, le partager avec les autres participants, il n'y a pas de souci, vous passez par les commentaires ou par le chat. Et puis dans quelques secondes, eh bien, on va décoder ces 17 coups. Allez, à tout de suite. Allez, on y va pour le décodage de cette partie 7 sur 8 Joker. Je voudrais vous proposer un petit changement par rapport à ce que je fais d'habitude. Vous me direz dans les commentaires si ça vous convient ou pas. En général, ce que je fais, c'est que je passe chaque coup, je donne les sous-tops, puis les définitions des mots du top et du généralement du premier sous-top. Là, ce que je voudrais faire, c'est donner les définitions d'un coup. Alors, soit avant, soit après, je ne sais pas. C'est-à-dire les faire défiler, les définitions, les principales définitions de la partie, les faire défiler en vous en donnant lecture, évidemment, mais pas forcément au coup par coup. Voilà, c'est plus facile pour moi parce que ça m'enlève la contrainte de jongler entre les deux outils. Voilà, je vais essayer comme ça là et puis vous me direz si vous trouvez ça bien ou si ça change beaucoup par rapport à d'habitude. Et puis je pense que ça va me permettre aussi, bon là j'ai un petit peu parlé du coup, mais ça devrait aussi permettre de faire les choses plus rapidement. Et oui, particularité aussi là, c'est une partie 7 sur 8, donc je ne donnerai pas les appuis, ça n'a aucun sens de donner les mots possibles en 9 lettres. Voilà, peut-être les 8 lettres s'il y a des choses intéressantes. Allez, on y va. Donc au premier coup, on n'a pas utilisé le joker, on a marqué 72 points avec mugis, du verbe mugir. Le sous-top, c'était agisme au pluriel. De même que fumiger, gémis, tout ça faisait guimpe, mégissa, faisait 70 points mugim. Etc, etc. Donc tout ça faisait 70. Coup suivant. Alors là, on a joué énuqué avec un N. On pouvait également jouer éduqué avec un D. Ça faisait le même score. Même place, mais moins de points, puisque la lettre qui double, c'est le P et non plus le Q. Le P vaut 3 et le Q 8. Ça fait 98, pardon, équipé. EES. Et que T, 95. De même que T et ES. Voilà, et puis ensuite si on jouait pas sur le triple, on pouvait marquer 80 points avec et que T et E ici. Pique T 78, etc. etc. Qu'est-ce qu'il y avait? Piqueuse qui était accessible, repiqué, équipé. Voilà, équipé c'était le mot le plus facile à construire avec ce tirage, me semble-t-il, et du coup en le plaçant en 8A, on avait les 98 points faciles. Au coup suivant, on a joué octuplé, on l'a joué
horizontalement, verticalement, ça faisait la même chose sur l'autre U disponible. 130 points, octuplé qui veut dire multiplié par 8, hein, très logiquement. Pivoter, vapoter, capoter, compter, coopter, picoter, tout ça, ça faisait 109 ou 108 selon qu'on utilisait le V ou le C. Ponctuer en double 94, compéter du verbe compéter, faire de la compétition 92, etc. Compoter également. Voilà, pas mal de, malgré l'absence de, enfin l'absence, malgré un nombre de voyelles assez restreint, le joker et les voyelles de la grille permettent de faire des choses. Voilà. Donc, au coup suivant, on a joué contigu, voilà, le féminin de l'adjectif contigu. Guitoun faisait 6 points de moins, 77. Contigu avec un S, 68 ici. Tigidou, 65. Et Cougné, 64. Ensuite, on ne scrablait plus. On marquait 36 points maximum si on ne scrablait pas. Avec cité, côté en 12A. Le coup suivant, le W qui nous parasite un petit peu la recherche. Suifié, 11H, c'était le top, 78. On pouvait pour 74 ou 72 jouer muséifié, muséifia en 4H. Unifié, autre Scrabble possible, 65 points. Et ensuite, on descendait à 46 avec Soisy. Avec ou sans E, 2 points de moins du coup sans le E. Fillé avec 2 I, F qui double, Mo qui double, 42 points, tout comme Fusée et Witz, Joker T. Le coup d'après, on a joué Colmaté, alors le M double, c'est pour ça que c'est le top, et puis en sous-top à 3 points de moins, on a Caméléon, Camelot, Camouflé, Clouam, Comatule, Coulam, Cagoulé, Coulam, Cagoulé, Camboul, Coagulé, 77 celui-ci. Voilà, et après, les autres Scrabble sont en B8, avec Némoral et Numéral, Mouillé et E, 72 en L8. Etc. etc. Voilà, il y avait possibilité de scrabler un peu partout. Voilà, un tirage riche en possibilités, malgré un nombre important de voyelles. Donc on a joué colmaté. Je donnerai les définitions après. Hein. Colmaté, vous savez ce que ça veut dire, a priori, mais je pensais aux autres mots précédents. Là. Par exemple, celui-là, voilà. L'Adaki IE, je ne connaissais pas, je le découvre avec vous. Avec ou sans E, c'est un adjectif. 92 points sur le I qui accède au double de suifié. Sur l'autre I, 80 points. Et puis en scrablant sans le K, on pouvait scrabler sans le K, heureusement, lettre parasite pour le coup. 74 points avec échaudé en L4 ou 71 en J4. Chaudo et échafaud faisaient 64 points. Aïdouk, un très joli mot pour le scrabble et pour les oreilles, puisque c'est des musiques. Raf Aïdouk, des musiques que j'aime beaucoup. 58 points, voilà. Coup suivant, on a joué Butireux, le sous-top, c'était Nicturi, 88 points, le Y qui triple, Nitreux avec le X, mot double, 86, Butirine, 68, Traîneux, 68, et puis ensuite on scrabble les plus, mais quand même 65 points avec Xist et Sexy, 63, en mettant un S au bout de l'Adaki. Coup suivant, on a joué Verdun, on pouvait également jouer plein de choses, hein, même endroit, Berdin, Bredin, Gindre, Gredin, Randé, Randor, Randra, etc. Tout ça, ça faisait 82. Et puis 81, selon la place du joker, mais au même endroit, 81 en 13F.
On dit denier, ça fait 80, 79 avec rogner, là il n'y a plus le dé, etc., etc. Et il y a plein d'endroits pour scrabler. La place en deux H, là, voilà, il y a nazarde, sardine, saindé, plein, 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 plein de scrabble possible sur ce coup. Alors, on a joué donc Verdun. Coup suivant. Érotise, si ma mémoire est bonne, c'est ça. On pouvait également jouer retrait du verbe retraire. La définition arrive. De même que terrine. Une tarière, 68, terrien, terrier, terrier EZ, terroir, tout ça en 2H, ça fait 68 points. Tiercé, le verbe tiercé. Toréera, du verbe toréer, torride. Tout ça faisait 68 points, voilà. Et donc le top 71, on a retenu érotisé pour l'alternance voyelle-consonne qui va faciliter les collantes. D'ailleurs, ce sera le cas. Alors, coup suivant, joli tirage. On a joué. Ah oui, alors néphridie, un mot de 9 lettres que je ne connaissais pas. Vous allez voir que la définition, elle est sympathique. Il y avait également le X pour marquer des points là-haut, donc ça permettait de sauver un peu la casse. 45 points avec exane, exose ou 44 avec exprès. Et puis ensuite, éphèbe, sphène, sphère, 42 ici en triple avec le H qui double et le mot qui triple. Expie, on revient là-haut, 41. Harpe, ornée, tout ça fait 38 points. Alors, coup suivant. Parota. Eh oui, un nouveau verbe, ça faisait des points, 104. Wharf, pardon, 72. Donc là, on a le W qui triple et le mot qui double, c'est pour ça que ça fait beaucoup de points. Et puis en un cas avec le W qui double et le mot qui triple, cette fois-ci, on inverse, ça fait aussi beaucoup de points. 69 avec souhait, fatwa, qui met néphridie au pluriel, 66. Et puis une jolie aorte qui colle là-haut, qui va chercher deux lettres chères. Alors, c'est pas du tout évident de marquer 50 points avec en posant 5 lettres à un point. Voilà, 4 et 1 à 0 en l'occurrence. Mais ouais, c'est un très très joli coup, ça pour un sous-top. Le top reste Farota, bien sûr. Il n'y a pas de prime à l'esthétisme dans ce jeu. C'est parfois dommage. Mais ça serait pas facile à quantifier. Ensuite, on a joué Awele, le jeu africain, qui faisait 69, Wax 42, Favela 36, Fauvéal, Javla, Lavera, etc. Tout ça. Avec le B qui double et le mot qui triple, ça faisait 36 points. Coup suivant, on s'approche de la fin, me semble-t-il. Alors là, on a joué Jive, la danse sud-américaine, danse latine de compétition, je crois. Limona qui fait 35, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en collante. Maxi 33. Et puis Box 28. Voilà, Max 26. Là, c'est des places. Le X avec une case rose à côté, bah, il faut aller chercher de temps en temps, si ce n'est à tous les coups. Si, n'y a pas un top qui traîne par là. Coup d'après, on a, bah, pour le coup, on joue le sous-top du coup précédent. Limona, on a à peu près les mêmes lettres. À part le J et le V, donc tout ce qui passait tout à l'heure, ça passe maintenant également. Donc Maxi, Box, Max, Mix, Mox, etc., etc. Coup suivant, eh bien, on s'approche effectivement de la fin puisqu'on n'a plus que cette lettre. Pas de place pour scrabler, branler et branler, tout ça ne peut pas passer. Du coup, c'est la fin de la partie, il n'y a plus les espaces disponibles. Donc on a joué Aïe à 21, il y avait Aria à 20 points, qui faisait érotiser ER. Le joli Akarl 9J, qui va être le top au coup prochain. Nif 19, etc. Voilà, c'est la fin de la partie, il n'y a rien de transcendant. Et puis dernier coup, donc effectivement on a joué Akarl. Pour 18, on pouvait jouer BA pour le même score en 14E. Voilà, donc c'en est fini pour la lecture des sous-tops et des isotopes. Et là, je vais vous donner lecture des définitions des principaux mots. Alors, il n'y aura pas tout, hein.
Il y aura pas tout, mais il y aura un maximum. Alors, mugir, crier en émettant un bruit sourd et prolongé. Souvent, certains animaux qui crient comme ça. Agisme, discrimination à l'égard des personnes âgées. Énuquer, s'énuquer, en fait, c'est un verbe pronominal, helvétisme, se casser la nuque. Guitoune, c'est un terme familier qui désigne une tente. T-E-N-T-E, pour faire du camping. Suifer, avec un ou deux F, enduire de suif. Muséifier, verbe péjoratif transformé en musée. Ladaki, L-A-D-A-K-H-I, avec ou sans E, adjectif et nom masculin, du Ladakh, qui est en Inde. Butyreux, butyreuse, qui a la nature ou l'apparence du beurre. Nicturie, élimination d'urine à prédominance nocturne, féminin. Le verdin, c'est un petit passereau d'un vert vif du sud-est asiatique. Le bendir, grand tambour du Maghreb. Retraire, un vieux verbe défectif d'ailleurs, reprendre un bien moyennant remboursement des frais encourus. Néphridie, voilà, c'est moche, c'est l'organe excréteur des invertébrés. Bon, heureusement qu'ils en ont un, parce que sinon ils nous exploseraient. Mais bon, c'est pas très joli. D'ailleurs, en parlant d'invertébrés, il y a une mouche qui me tourne autour. Là, je sais pas si vous allez entendre vibrer le son. Ça va faire quelque chose de bizarre. Bon, bref, néphridie, donc, organe excréteur des invertébrés. Hexane, c'est un hydrocarbure. Faroter, alors c'est un verbe africain qui signifie soudoyer ou frimer. Le wharf, c'est une sorte de quai, un appontement qui s'avance dans la mer. Awele, c'est le jeu africain, donc ça s'écrit aussi Awale, également Wale, W-A-L-E, vous le voyez en bas là. Jive, je le disais, danse latine de compétition. Limoner, débarrasser un aliment de ses impuretés avant la cuisson. Et aria, oui c'était un sous-top à un moment donné, souci, tracas ou mélodie en musique. Akarl, plat islandais à base de chair de requin. Pas très envie d'en goûter, moi perso. Mais... Et enfin, babéa, dans la religion égyptienne, élément de la personnalité. Voilà, écoutez, vous me dites dans les commentaires si vous préférez la formule au coup par coup, les sous-tops, les isotopes et puis les définitions en même temps, ou si vous préférez un coup les sous-topes et les isotopes et ensuite, comme je viens de le faire là, le défilé de toutes les définitions. Et même chose avec les appuis en fait, c'est-à-dire que je pourrais faire le décodage en trois étapes, une étape où je donne les sous-topes, ensuite on revient sur les appuis et puis on revient sur les définitions. Ça permettrait de revenir trois fois sur la partie en fait, plus ou moins, hein, parce que quand on revient que sur les définitions et les tirages... Mais bon, ça pourrait être intéressant en termes de pédagogie pour retenir, pour vous aider à retenir bon, essentiellement les mots nouveaux que vous rencontrerez, et puis quelques tirages éventuellement. Voilà, allez, et bien écoutez, à très vite, puisque de toute façon sur lesensdeslettres.com, on scrabble tous les jours, donc... Vous avez, y a des chances qu'on se revoie très très, enfin qu'on se revoie, que vous me réécoutiez très très prochainement. Allez, ciao ciao!